quartier de Hamra, en plein cœur de Beyrouth. C'est un quartier très diversifié, à la fois historique, populaire, festif. C'est une petite ville dans la ville. Tania, il y a un petit peu de New York dans Hamra. C'est un quartier qui ne dort jamais. Oui, ça c'est vrai. C'est un des endroits où vous pouvez trouver des gens en train de marcher sur les trottoirs, en train de se cogner, se toucher. Vous trouvez la scène musicale et la scène de peinture, les artistes, les danseurs. Tous ces gens-là sont à Hamra. J'adore l'esprit de Hamra. Il y a aussi une des plus grandes universités au monde arabe, qui est l'université américaine un peu plus bas. Et l'esprit de ces rues, c'est vraiment très vrai, très, très libanais. Qu'est-ce qu'on fait ici? Pourquoi est-ce qu'on est ici aujourd'hui? Eh bien, j'ai un cours de danse ici, encore un peu. Allez, on y va. Pour ses chorégraphies, Tania s'en remet à Alexandre Polikevitch, un danseur infatigable qui enflamme la capitale avec ses créations empreintes de danse orientale. Regarde par-dessus l'épaule par moment. Alex n'aime pas qu'on le définisse comme un spécialiste de la danse du ventre. Il préfère parler de danse baladi. Le baladi, c'est un terme égyptien qui signifie du pays, du terroir. Il nous parle d'une danse porteuse d'identité. Alex, qu'est-ce que tu dis quand tu danses le baladi? J'essaie de porter un message, ne serait-ce qu'humain. Mais arrêtons avec ce ventre et l'érotisme et ne voir cette danse que du prisme d'une femme qui exciterait un homme avec une danse lascive. Et en tout cas, quel est le sens d'une danse où son costume dénude le corps dans des sociétés qui se voilent de plus en plus? Je pense que le corps de la danseuse est politique. Et c'est une danse politique parce qu'on ne la danse plus. T'es quand même très demandé pour tes spectacles, pour donner des leçons aussi de danse. Oui, effectivement. Dernière demande en date, assez incongrue, la Finule, oui, au sud Liban, qui t'a demandé de venir donner des cours. Oui, absolument. Moi, je trouve ça hilarant, en tout cas, parce que je me disais, mais pourquoi la Finule me contacterait pour venir enseigner à Naoura, au fin fond du sud du Liban, à la frontière israélienne, de donner une leçon de danse aux militaires, peut-être aux femmes de quelques officiers aussi, mais il n'y a que des militaires là-bas, donc je trouve ça assez hilarant. La danse, c'est pour toi un espace de réflexion? Un espace de réflexion, de liberté, d'être, de paraître, de choquer, de provoquer. T'aimes bien choquer? J'adore. Autre visage de Beyrouth, le quartier chrétien d'Ashrafieh, l'un des plus prisés de la ville. Ici trônent encore quelques vestiges du passé, des maisons bourgeoises et les derniers palais construits à la fin du 19e siècle. Le quartier abrite aussi de belles réussites comme celle de Sarah Beydoun. Ses sacs sont vendus dans le monde entier. Ça, c'est Beyrouth? Exactement. Qu'est-ce qui t'inspire à Beyrouth? Tout est inspirant. Les bruits, le soleil, les gens, les fêtes. En tout cas, tu as une histoire incroyable. Rien ne te prédisposait à te lancer dans la création de sacs. Explique-nous comment tout a commencé et comment tu en es arrivée là. Alors, j'ai fait des études en sociologie. Et pour écrire mon mémoire, j'ai passé 6 mois comme volontaire auprès des femmes qui sont dans beaucoup de difficultés, en les aidant à s'insérer dans la vie normale. Alors, j'ai commencé un programme dans la prison de Baabda. Dans les prisons?
Oui, dans la prison de Babda. J'ai commencé à entraîner les filles sur des travaux manuels traditionnels, comme la broderie, le canevas et le tissage. Tout est fait à la main. Explique-nous un peu comment elles travaillent, ces femmes. Quand on travaille avec les femmes en prison, et en sortant, on les encourage à retravailler avec nous. Donc il y a un vrai projet de réinsertion, c'est-à-dire que tu leur offres un travail quand elles sortent de prison, donc il y a un vrai suivi. Exactement. J'ai entendu dire que Catherine Deneuve avait l'un de tes sacs et puis Rania de Jordanie. Oui, à part les stars qui ont porté nos sacs, je crois que toutes les clientes sont très fières de porter un sac qui soutient, et renforce la condition féminine. Donc toi, tu es l'une des premières à avoir travaillé avec Sarah. Ça fait 15 ans que je travaille pour Sarah. Le travail en soi est difficile, mais j'ai senti qu'avec Sarah, il y avait un côté artistique, une sensibilité. Et à chaque fois qu'elle venait en prison avec du travail, je me sentais plus proche de la liberté. On reste dans le quartier. Sarah a eu envie de nous présenter un maestro de la joaillerie, Selim Mouzanar. Selim ! Comment tu vas ? Bonjour ! Bonjour ! Valérie ? Selim ! Enchanté ! Ça va ? On a l'impression que c'est un seul fil. C'est tout à fait, c'est un fil. C'est un seul fil. C'est la clé de Beyrouth, ça. Mais Sarah, c'est l'une des détentrices de la clé de Beyrouth. Après avoir admiré les derniers joyaux de Selim, il nous fait entrer en coulisses, à la découverte de ses ateliers. Selim, c'est l'endroit où tu sélectionnes les pierres. Oui, là, c'est le monde de la sélection. C'est une préparation pour la conception. Et ça, donc, c'est quoi ? Là, c'est un bracelet. C'est un bracelet. On va le sortir. Que du diamant en taille rose. C'est très léger, c'est très plat. En taille rose, ça veut dire qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de culasse. Pas de culasse. Ouais. Ça, c'est le même, mais avec des saphirs de couleur et des diamants. Ici, on est dans ton royaume. C'est là où tu fabriques les bijoux, une fois que tu les as dessinés, c'est ça ? Oui, ici, tout démarre. On concrétise après avoir pensé. On a les ateliers de bijoutier, les ateliers de sertissage, le polissage, c'est un classique. Alors là, c'est quelle étape, Céline ? On est dans le sertissage, bien dans le sertissage. C'est-à-dire c'est l'endroit où on pose les pierres sur le bijou ? On fixe les pierres sur le bijou. Il n'y a pas de machine qui permette de faire ça ? Non, c'est tout à fait manuel. Il les colle, les pierres ? Non, on les sertit. On va enlever du métal un grain qui va tenir la pierre. Mais si tu retournes, ça ne tombe pas ? Ça ne tombe pas. Voilà. Ici, on est en train de faire une des pièces qui va s'accrocher à ma collection Castac. C'est un boîtier. Il est serti de diamants avant le polissage. Alors justement, il y a quand même une marque de fabrique. C'est ce noir qu'il y a souvent sur tes bijoux, là, il n'y en a pas. Mais la plupart du temps, les pierres sont un peu serties de noir. C'est l'oxydation du métal. C'est des bains de couleur qu'on donne en métal. Comme ça, on voit plus les détails. Vous voyez ça, c'est après polissage, cette pièce-là. Là et là, ce sont les mêmes pierres, simplement ça, c'est pas poli, ça c'est poli. On voit bien quand on regarde tous tes bijoux. Il y a une vraie tradition de l'ancien, tu aimes l'ancien et en même temps c'est incroyablement moderne. Donc qu'est-ce qui t'inspire ? Mon désir c'est de faire des choses qui sont intemporelles, qui dégagent de l'optimisme et de la joie. On ne pouvait pas quitter Beyrouth sans faire l'expérience de ces nuits légendaires. Dernière étape, le Music Hall en plein air, la salle de concert la plus en vue de la capitale. Chaque week-end,
les artistes se succèdent sous l'arche dorée, offrant aux noctambules un show musical varié, allant de la musique gypsy à l'opéra, en passant par le rock, le jazz, le funk et la musique orientale. Et c'est ici que nous avons donné un dernier rendez-vous à tous nos invités. Cet endroit, c'est quand même parfaitement improbable comme endroit. Oui, c'est très moderne et très exotique. Et en même temps, la musique qui est interprétée ici, c'est la tradition. Oui, c'est un des bons et seuls endroits à Beyrouth où on peut jouer de la musique en live tous les soirs. T'as envie de te produire un peu sur scène ce soir ? Pourquoi pas, si tu as envie, toi. C'est quand même toi le grand spécialiste de la nuit béroutine. Comment elle est la nuit béroutine ? Elle est festive, elle est un peu excessive à mon avis. Et on exorcise plutôt beaucoup de tensions. Ce qu'on ressent en tant qu'étranger, c'est que les Béroutins, ils ont envie de vivre chaque instant comme si ça pouvait être le dernier. On se sent vraiment souvent au bord d'une explosion. Donc je pense que ça développe chez nous une espèce de... une envie de vivre, de survivre, qui est incroyable, qui l'emporte surtout. Un mot, un seul, si tu devais n'en prononcer qu'un seul, pour définir Beyrouth. Un seul, je peux deux ? Allez. Pour moi, c'est un joli chaos. Fragilité. La passion. Chaotique. C'est une ville de science-fiction. Ainsi s'achève ce Beyrouth des Arts. Vous l'aurez compris, l'hospitalité des Libanais est légendaire. Elle peut vous entraîner jusqu'au bout de la nuit. Alors, je vais y retourner. Ici, plus qu'ailleurs, il faut savoir vivre le moment présent. À très vite.